Salut les jeunes pousses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous l'ai promis il y a longtemps. On me l'avait demandé en fait en commentaire sur Instagram de faire une vidéo sur un masque à la levure de bière juste après la vidéo que j'avais faite sur la levure de bière que vous pourrez trouver dans les fiches de cette vidéo ou dans les liens dans la description. Donc je vais vous présenter aujourd'hui deux masques, enfin deux recettes de masques et après, dans la suite de la vidéo, je vais tester un des masques directement sur mon visage et je vous ferai un débrief à la fin de cette vidéo pour vous dire si ça a eu un effet sur moi, si j'ai bien aimé et si je vous le recommande toujours. Alors le premier masque que je vous recommande, c'est un masque dit anti-grise mine. Donc si on a la tête un petit peu fatiguée, si on a des cernes ou si juste on veut donner du peps à sa peau. Donc voilà, il faut mélanger 3 à 4 cuillères à café de levure de bière avec un tout petit peu d'eau. Mélanger pour obtenir une pâte bien épaisse. Donc si vous avez mis trop d'eau, remettez de la levure de bière. Du coup, je vous conseille de mettre pas beaucoup d'eau. Ensuite, vous l'appliquez sur votre visage pendant 5 minutes. Et enfin, vous rincez avec de l'eau tiède et vous devriez tout de suite avoir une sensation de pureté sur votre peau. Le deuxième masque à la levure de bière que je vous recommande de faire, c'est le suivant et en fait il va venir purifier votre peau. C'est le suivant, donc il faut 2 cuillères à soupe, donc bien fournies de levure de bière, un petit peu d'eau de rose et quelques gouttes d'huile d'onagre. Donc vous faites la pâte, ensuite vous mettez sur votre visage et vous laissez reposer pendant 20 minutes, donc vous en mettez une bonne grosse couche épaisse, puis vous rincez à l'eau tiède et vous devriez avoir une sensation de pureté. Alors ce masque est très bien contre l'acné si vous souffrez d'acné. Et également, si vous avez des points noirs ou des impuretés dans votre peau, il va venir purifier votre peau en profondeur. Parce que la levure de bière, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, on en a déjà parlé, contient énormément de vitamines, contient beaucoup de choses, des protéines également, et ça va venir nourrir votre peau de l'extérieur. Donc en fait, on a vraiment ici deux solutions très simples pour avoir des masques pour la peau, pour le visage qui soient sains et naturels et qui ne sont pas toutes ces crèmes qu'on peut avoir dans les grandes surfaces. Donc c'est parti, on est maintenant dans ma cuisine, donc je vais tout de suite mettre cette levure de bière qui est ici, donc c'est la levure de bière que vous pouvez trouver dans des magasins bio. Je vais en mettre 4 cuillères à café dans ce bol et ensuite je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc c'est parti, on va le faire ensemble, hein. On va mettre 4 cuillères à café. 1, 2, 3 et 4. Du coup, là j'ai mis 4 cuillères à café dans ce bol. Maintenant je vais rajouter un petit peu d'eau tout en mélangeant avec la cuillère. En fait, il faut que ça fasse une pâte plutôt homogène. Donc, ce que je pense, c'est que j'ai mis un peu trop d'eau par rapport à la levure de bière. Donc je vais rajouter un peu de levure de bière. Voilà, du coup, vraiment, mettez pas beaucoup d'eau. Mettez vraiment pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau. Parce que là, ouais, c'est quand même encore très liquide. Voilà, je dois en être à peu près à 6 cuillères à café de levure de bière. Donc voilà, ça me paraît pas mal. Donc on va se retrouver tout de suite dans ma salle de bain pour essayer ce masque. A tout de suite. Bon voilà, du coup, on est dans ma salle de bain. Je vais te demander juste de pas trop juger ce que tu vois tout autour de toi. Et donc, bah, c'est parti, on va s'appliquer le masque à la levure de bière. C'est peut-être encore un peu liquide, donc toi, essaie de le faire un peu plus épais que ce que moi j'ai. Bon, on va y aller carrément avec les mains. Hein. Ouais, c'est quand même liquide. Ça sent plutôt bon, moi j'aime bien, j'adore la levure de bière. Oh, catastrophe. Donc voilà, on le voit pas, mais j'en ai vraiment partout, sur toute la figure. Donc maintenant, il faut laisser agir 5 minutes. Et du coup, bah, je vais laisser agir 5 minutes, je vais rincer et je te dirai mes impressions sur ce masque, la levure de bière. A tout de suite! Donc voilà, vous avez vu, je viens de tester ce masque à la levure de bière sur moi et franchement, mes premières impressions, c'est que c'est absolument extraordinaire. On m'avait déjà de temps en temps passé des crèmes, vous savez, les crèmes un peu industrielles pour le visage. Moi, j'en ai très peu ou j'en ai eu très peu dans ma vie.
mais quelquefois des filles m'en ont passé ou ma mère m'en a passé, et à chaque fois effectivement ça donne une impression de pureté à la peau, une impression de fraîcheur, on se sent bien, on a vraiment l'impression d'avoir une peau neuve ou d'avoir un sourire, une peau plus éclatante. Et ben là c'est exactement ce que j'ai ressenti avec ce masque, donc je vous recommande de faire ce masque si vous sentez que vous avez une tête un petit peu fatiguée, ou de faire l'autre masque qui demande un peu plus d'ingrédients, donc il faut de l'eau de rose et de l'huile d'onagre, mais si vous avez les ingrédients ou si vous voulez investir pour faire des masques tout en douceur, tout en bien-être et en produits naturels, alors je vous invite vraiment à vous tourner vers ces produits et à les acheter. À mon avis, vous pouvez les trouver dans des magasins bio. Sur ce, je vais vous laisser là. C'était une vidéo un petit peu courte par rapport à d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de vidéo. Lâchez un maximum de pouces bleus si ça vous a plu. Comme ça, je saurai que je peux refaire ce genre de vidéo où ça sort un petit peu du cadre ordinaire de moi qui vous parle en direct face à la caméra. Donc je vous laisse là, je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de votre alimentation, parce que oui, on va continuer de parler d'alimentation sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, mangez et vivez en conscience les jeunes pousses. À la prochaine, ciao ciao.